after conceding a late equaliser versus Niger in the opening game, the Black Satellites will look to make amends here. They take on Burkina Faso today here in their second game of the WAFU Under-20 Zone B competition. As usual, subscribe if you have not. Click on the notification bell to get more updates. Le coup d'envoi qui a été donné déjà par le sifflet ou à l'île, vous qui l'avez trouvé dans l'axe, un partenaire bien positionné à Samadou Ouedraogo. Il doit être le rien qu'à voir ça. De Raimo FC de Kadiobo. Chassé de ce ballon, c'est Moustapha Yakoubou. Ballon amené au point de pénalty. Envoi de la défense pour Kinabé. Goal au niveau de la défense ghanéenne avec Abdul Adam. Rachid, après le but, attention à cette accélération de chaque. De cette équipe du Burkina, et derrière on réussit à ressortir pratiquement le cuir pour une belle possibilité offensive. De cette équipe du Burkina semble être en place et ça dérange un peu le système de l'entraîneur ghanéen que Kéré. Il arrive à trouver Martin Lé sur le côté gauche. Moustapha Yakoubou et son vis-à-vis, il va revenir chercher la solution avec un partenaire lequel va perdre le contrôle. Il va revenir chercher la solution avec un partenaire lequel va perdre le contrôle. De la rencontre. Attention à ce ballon qui traîne dans la 45e assemblée générale ordinaire de la CAF. Abdul Ouattara. Pour clore cette première partie de la rencontre. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Très belle rencontre. Du Burkina. Attention à Martin Blay. Et là la faute
La faute qui sera condamnée. L'occasion de Afrié, Diori. Va retourner Abdoul Ouattara au point de pénalité. Va profiter à Moussa. Abdoul Ouattara. Abdoul, le deuxième but. Le but qui vient crucifier complètement. Ce but-là qui vient clouer au sol. Cette équipe du Ghana. Lui évolue avec la formation de vitesse qu'il a de Ibrahim. Plutôt Raouf Dao. Dans ce trou de là. Il a voulu avec 4 minutes de terrain, 3 défenseurs. Boadou veut revenir au score. Il veut revenir au score. Voilà. Il est de contre rageux. Allez, on a trouvé Djiri Afrié qui n'a pas pu passer son vis-à-vis. Le ballon de Mohamed pour un adversaire. On va poser le cul maintenant. À 6 minutes de la fin, il ne s'agit pas de mener des attaques précipitées. Il faut plutôt mettre le pied sur le ballon pour ne pas encaisser. Garçon, qu'est-ce qu'il nous a servi? Djiri Afrié qui a fait le plus difficile. Mais au dernier moment, on va rater cette occasion de but. Et c'est pas encore terminé. Avec Mohamed. Mohamed, dans l'axe, va essayer de trouver un partenaire. On retrouve Djiri Afrié qui s'infiltre là. Derrière, il est sanctionné. Position d'enjeu de Djiri Afrié. Ghana have lost to Burkina Faso. It could be the end of the competition for them. They have it all to do in their final group game. I'll see you guys in the next one. Enjoy your day.